Alors, on va faire la date pour commencer la journée. Donc, on est jeudi. Alors, tu as déjà fait le J. Alors, après, je. Un E, vas-y. Très bien. Alors, pour écrire jeudi, il y a une petite lettre qu'on n'entend pas forcément, qui est le U après le E. Vas-y, tu fais le U. Très bien. Jeudi. Un D, très bien. Après un i. Et après un I, vas-y. Jeudi. Alors après, on va faire le jour, on va le faire à côté, parce qu'on a encore un petit peu de place. Le jeudi, on est le 26. Le 26. Comment on va faire 26? Et le... Très bien. Alors, on va essayer de compter jusque 26 d'ailleurs. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et on s'arrête. Bravo. Alors, on va écrire le mois ici maintenant. On est au mois de Mars. mars. Très bien. Alors, comment on va écrire mars? Un M. Très bien. Mars. Mars. Et on peut faire en attaché aussi. On pourra faire en attaché. On va commencer en capitale. Alors, mars. Ma Ah, très bien. Ah, ensuite. Mar Mars. Un R, très bien. Et la dernière lettre, hein? Mars. Un S, très bien. Ok, donc jeudi 26 mars, est-ce que tu te rappelles l'année? Non, on est en 2020. Alors, ça, c'est 2020. très difficile à écrire, je vais t'aider à l'écrire, je vais te dicter les chiffres. Alors, pour écrire 2000, on va commencer par le 2. 2. 0, Attends. 0. 2 et 0. Et 0. Alors, tu me redis la date? Vas-y. 2020. Oui, alors redis la date entièrement. Vas-y. J'ai dit Oui. 26 mars 2020. Bravo, très bien. Et après? Pour ceux qui veulent, on peut essayer de l'écrire en attaché, par exemple les petits mots simples, tout doucement.